En fait, la liberté financière, tu n'as pas besoin d'être un génie du trading. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances hyper poussées. Tu dois juste appliquer certains principes parce que la bourse, sur 2 siècles, ça monte de 10%. Pour beaucoup de gens, c'est rien. Mais en fait, si tu capitalises et tu le fais régulièrement, tu peux en 10 ans avoir un gros capital. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. L'immobilier, tu n'as pas également besoin d'avoir des compétences extrêmement pointues. Et donc, tu peux finalement travailler sur des thématiques lourdes comme le trading, comme le business, où là, tu travailles, tu dois avoir un certain talent, tu dois effectivement consacrer du temps. Et ça, tu dois ensuite l'utiliser pour finalement acquérir ta liberté financière.